à toutes et à tous, Mémino et Méminette. Miaou. Et bienvenue à vous sur ce nouvel épisode de Dragon Quest, la fiancée céleste, pour continuer notre épopée. Alors là, dans le dernier épisode, nous avions récupéré le dernier anneau qui était l'anneau de l'eau, et du coup fait les fiançailles avec notre mariée, Bianca, notre compagne du début de l'aventure, du début de ce let's play, et on se retrouve dans Port Lanterne pour du coup aller récupérer le bateau que Monsieur Oscuroni a eu la gentillesse de nous donner. Eh, vous ne seriez pas Julien? Oups, excusez-moi. C'est ce qu'il me semblait. Monsieur Oscuroni a envoyé un message me prévenant de votre arrivée. C'est son bateau. Il nous a dit que vous pouviez vous en servir autant que vous voulez. Vous devriez aller faire un tour à la taverne avant de partir. C'est un bon endroit pour avoir des informations sur vos prochaines destinations. Eh bien, faisons ça. Excusez-moi deux secondes. Heureux de cette mini-ellipse. Donc du coup, le bar, il est où? Vous êtes à la recherche du héros légendaire pour pouvoir sauver votre mère. Ça me paraît très sérieux, tout ça. Moi aussi, j'ai entendu parler de ce château dans le désert. Il y en a qui disent qu'il abrite un sanctuaire consacré au héros légendaire. Ah oui, c'est vrai. Notre prochaine destination, la voilà. Ah, nous vous attendons. Nous vous attendions. Ça fait longtemps que nous n'avons pas levé l'ancre. Alors nous sommes tous très impatients. Vous êtes prêts à partir, monsieur Julien? Alors suivez-moi, s'il vous plaît. Larguez les amarres! Levez l'ancre! Hissez la grande voile. Ah, la grande voile. Et c'est parti. On va pouvoir maintenant naviguer à peu près où on veut. Mais bon, évidemment, ça ne sera pas sans attaque de monstres. Bon, ils sont pas très très puissants pour le moment. Ah, une méduse veut nous rejoindre, allez, pourquoi pas. Le tison, on le tue. Le monoeil, mon œil, ouais. Un orc. Au revoir l'orc. Absorption de magie. Ah, c'est Médusa qui a augmenté de niveau, d'accord. Encore un tison. Mais quel teasing! Haha, Ender. Normalement, il y a un marchand pas loin d'ici. Ah, chaud, très soif, très haut à boire. Eh bien, nous allons te pousser. De l'eau! De l'eau! Gloup, 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 gloup. Merci beaucoup, vous m'avez sauvé la vie. Je me présente, je suis marchand ambulant. Bienvenue au magasin d'objets, en quoi puis-je être utile? Eh bien, pour le moment, rien de spécial en fait. Ouais. Non mais vraiment pas grand chose en fait. «
Un ménestrel itinérant comme moi visite ton nombre, enfin, bon nombre d'endroits. Mais je dois reconnaître que ce château m'a véritablement surpris. Les gens d'ici ont des histoires incroyables sur un certain héros légendaire. Et se les transmettent de génération en génération. Non, c'est pas par là. À côté, il n'y a pas une sorte de... Si, voilà. Je me disais aussi. Bienvenue au magasin. Un bâton somatique. Oh. Le bâton somatique, il est intéressant. L'épée ardente pour Gludia, pourquoi pas. L'épée dentée. Non. Alors, déjà, dans l'ordre, on va acheter une épée ardente pour Gludia. Le bâton somatique pour Bianca. On va vendre un peu ce qui sert à rien, genre... Ouais, ça. L'épée large d'acier. Ma sœur est partie dans la maison, enfin de la maison après s'être disputée avec mon père. Je suis sûr qu'elle reviendra jamais. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Il espère qu'elle ne... Enfin, il est sûr qu'elle ne reviendra jamais. Eh ben dis donc, il est pessimiste. Voyons voir les armures qu'il vend ici. Ah mais attends, ça, on en a déjà un sur nous. Gludia. Oh. Ah, ça, c'est intéressant. Le bustier à lacet, attendez. C'est plus intéressant, le bustier à lacet. Le bouclier magique. Ah, on a des belles choses ici. On a des belles choses. Je vais acheter un bouclier magique pour, du coup... non, c'est pas ce que je voulais acheter. En premier, je vais acheter un bustier à lacet pour Bianca. Ah oui, d'accord, en fait, elle avait pas d'armure. Bon, bah, comme ça, c'est fait. Elle n'avait pas d'armure. Les cuirasses d'argent. Évidemment, on les achète. Non, c'est pas ce que je veux acheter. Voilà. Pour Gludia. Et maintenant, on va s'acheter deux boucliers magiques. C'est un bouclier que je veux acheter, monsieur, pas un plastron. On va vendre ce qui nous sert pas. Comme ça, on récupère un peu de ce qu'on a perdu en richesse. Mais oh là là, je veux vendre. Il y a le plastron en fer. Le haut de forme. Le manteau d'esquive. Bon, déjà ça, au revoir. Le bâton humique, non, pas du tout. Ça, en revanche, oui. L'homme de fer. L'armure errante, oui. Et en plus, elle vaut cher. Le poire de bronze aussi. Le brassard de kamikaze. L'âge de pierre, ouais. La robe de soie. Hein, c'est vrai qu'on a une tire d'argent. J'avais oublié ça. Attendez une seconde. En
Ouais, non. Ah ouais, mais en fait, le voile de mariée, il est très efficace, hein. Comme manière de défense. J'aurais pas cru. Attendez que je réfléchisse. Ouais, non. En fait, ça va. On va pouvoir vendre les deux. On peut pas vendre l'épée de Petros, dommage. Bon, on s'est refait un petit 13 000 en argent, c'est pas mal. On va pouvoir maintenant rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le château. Alors, il y a l'air d'avoir des trucs ici. Ouais, plein de casiers. Ouais, non. Une Akelja. Bon, ok. Une attaque désespérée. Quel enfoiré. Une mini-médaille. Ok. Du coup, on va soigner tout le monde. Ah, Médusa a des sorts de soins. C'est pas mal, ça. Non, lui, il a que des bouquins. Ah merde, en bas il y avait des tonneaux, j'avais pas remarqué. Et ainsi qu'une graine de magie. Oh sympa. Bienvenue dans mon royaume, je suis Toutankhamon, la reine du désert. Vous êtes venu visiter la tombe sacrée du héros légendaire? Bien sûr, c'était évident. Je sens une grande force en vous. Suivez-moi, je vais vous montrer. Par ici. Ok. On va aller un peu plus vite quand même. Ça en fait du chemin. Vous m'avez dit être venu visiter la tombe sacrée du héros légendaire. Ici, nous vénérerons la mémoire du héros légendaire. Mais pour tout vous dire, il ne s'agit pas réellement d'une tombe. De sombres nuages obscurcissent notre connaissance. Nous ne savons pas ce qu'est devenu le héros après avoir sauvé le monde. Mais le casque zénithien a été précieusement conservé par des générations d'habitants d'Emulnaptra. À son retour, le héros légendaire viendra chercher son casque. Mes ancêtres construit ce temple pour le protéger en attendant ce jour. Passez ce casque, s'il vous plaît. Il pèse si lourd sur sa tête, il semblerait que Julien ne puisse pas s'en équiper. Non, je me suis trompé. J'avais senti un pouvoir inhabituel en vous, mais vous n'êtes pas l'unique. Repartons maintenant, suivez-moi, s'il vous plaît. L'un des rares personnages qu'on peut battre à la course dans ce genre de truc. Ah, il y a un truc ici. Une mini-médaille. Évidemment. Ça me semblait logique. Je vois mal ce que j'aurais pu trouver d'autre à la place. Ok. Et ici, il y a quoi du coup? Voilà, en fait, c'est le trône. Ok. Du coup, on va devoir partir pour de nouveaux horizons. Je sais où aller, ne vous inquiétez pas. Des ennemis à détruire sur notre chemin. Ah ouf! Leurs flammes sont...
leurs flammes sont puissantes. M'attendais pas à ce que Bianca prenne autant de dégâts. Surtout magique. C'est dangereux. C'était dangereux. Bianca aurait pu crever. Heureusement, ce ne fut pas le cas. On passe un petit coup ici. Ah, enfin vous voilà. Je vous attendais depuis si longtemps que j'en suis mort. Eh oui. Comment vous dites? Comment je m'appelle? C'est ça? Attendez que ça me revienne. Je suis si vieux que la mort en a eu marre d'attendre aussi. Et je suis un vieux briscard. Un briscard un peu braque qui aime les bibelots. On va dire le vieux bric-à-brac. Mon rêve est de rassembler des objets célèbres du monde entier et de les présenter ici, dans ma galerie Cabrac. C'est pour ça que je l'ai construite. Ah, depuis, j'attends que quelqu'un vienne ici pour lui demander de rassembler des pièces exposées. Le problème, c'est qu'aucun voyageur n'est venu ici de toute ma vie. Voilà, vous savez tout. Mais parlons de vous. Maintenant, voyons si ça valait le coup d'attendre aussi longtemps. Disons que ce n'est pas une mauvaise collection, mais ce n'est pas la panacée. C'est toujours ça. Pour vous dire la vérité, je comptais léguer cet endroit à celui ou celle qui m'aurait rapporté le souvenir suprême. J'aimerais quand même bien le voir, le souvenir de mes rêves. Je crois qu'il se trouve quelque part dans le domaine du roi Dominicus. Ah, la Maxi Médaille! Mais c'est où déjà la Maxi Médaille? Je ne me souviens plus. Le domaine du roi Dominicus, c'est quelque part par là, non? Je ne pense pas. Soit. Les Siréniens sont pas très très puissants. Ok, alors, nouveau continent. Paix et amour sur vous. Bienvenue à l'auberge de l'Api. On a plein d'offres spéciales en ce moment. Alors, un puits. Ça ne fait pas longtemps que le fils de Mamipi a posé son fil et son aiguille. Chaque fois qu'on l'entendait, c'était des ouilles et des ah, slop. Il était vraiment gluant, enfin bruyant quoi. On peut pas aller sous la maison, d'accord. Ouais, un endroit pour dormir, on va faire ça. Paix sur vous, si vous mettez le cap au nord, vous devriez finir par arriver à Gotha. Mais il faudra escalader une sacrée montagne, ça va pas être de la tarte. Si vous pensez y aller... Vous avez intérêt à vous reposer un peu ici, tranquille quoi. Salut, moi c'est Mamipi. Disons que c'est moi qui dirige cette auberge. Les gens vivent dans la nature et finissent par retourner à la terre, vous savez. On n'a qu'une seule vie et il ne faut pas la rater. Je vous souhaite un agréable voyage. Du moins dans ce jeu, pas vraiment. Quai de sauvegarde, au passage. Et il est temps pour nous de nous attaquer à la grotte. Si vous franchissez ces montagnes, vous atteindrez le royaume de Gotha. Mais le chemin est vraiment dangereux. Si vous n'avez pas de véritable raison d'y aller, je vous conseille de faire demi-tour. On a toutes les raisons du monde d'y aller. Des majasques. Ils peuvent faire des super tornades, si je me souviens bien.
Donc c'est pas des monstres gentils. Oula. Ça commence à se corser ici. Alors lui, il peut nous endormir. Il peut nous rendre confus aussi, si je me souviens bien. Alors l'autre, il s'est barré. Hein. Pourquoi pas. En même temps, on fait assez peur. Les dra... Ah, bah, ils nous ont pas vus, tiens. On en profite. Y a pas de maison dans le coin? Si, regardez. Une acaljar, c'est pas vraiment le moment, mais bon. Plaît-il? Ah bah c'est fini plus vite que prévu. Hé hé hé, qu'est-ce que c'est que ça? On s'est perdu? Mes pauvres, vous voulez peut-être passer la nuit ici alors? Reposez-vous bien, je serai en haut si vous avez besoin de moi. Hé hey, Julien, tu as entendu ce bruit? Ça ressemble au bruit d'un couteau qu'on affûte. Je crois que ça vient de l'étage, tu veux aller voir? Tu as sûrement raison, il ne doit pas y avoir de quoi s'inquiéter. Oh, vous êtes réveillé? Je vous ai lancé un sort pour que vous dormiez comme un loir, mais ça n'a pas dû suffire. Hé, regardez-moi ça. J'ai affûté votre arme. Et j'augmente de 5 en puissance. Mais il faut... Mais il fait encore nuit, vous devriez retourner vous reposer. Vous avez bien dormi? Il fait déjà jour. Bonne chance pour la suite de votre voyage. Allez, c'est plus 5 de puissance et en plus... On se repose, si c'est pas beau ça. Une bague de prière, bon allez, pourquoi pas. Effectivement, on a l'air plus puissant. On dit pas non à un boost de dégâts. Hein. Oula! Trois d'un coup qui se sont endormis? Eh ben dis donc. Heureusement que Smilo a ouvert l'œil. Allez hop. Ah oui, c'est vrai la grotte. C'est vrai, j'oubliais. Ouais, malheureusement. Ok, alors on va se soigner. Ce serait bien. Alors, un coffre. Un sancturion. Ouais, je pense que c'est de ce côté. Alors, pas d'inquiétude. On a des éclairs. En même temps, c'est des princes maudits. On se soigne. Et petite ellipse. Et non, en fait, c'était de l'autre côté. Bon, heureux pour cette ellipse, du coup. Évidemment, cet enfoiré, là, il nous endort. Euh...
Allez hop, il y a il y a de quoi se soigner à côté normalement, je pense. Ah non, c'est pas ici. Ah bah voilà, nous sommes arrivés. Par la déesse, tout va bien. Votre ami me paraît un peu... palichonne. C'est rien, tout va bien. Je me sens juste un peu... faible. Oh non! Il faut qu'elle s'allonge. On peut l'emmener dans notre auberge. Une femme vient de s'évanouir. Que quelqu'un vienne nous donner un coup de main. Elle ne semble pas avoir de fièvre. Elle est seulement épuisée. Il faut qu'elle se repose au moins une journée. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser. Je remercie la déesse que cette pauvre petite n'ait rien de grave. Oh, c'est votre femme. Elle est vraiment très belle. Vous devriez l'aménager un peu. Ne lui en demandez pas trop à l'avenir. Je suis désolé de t'avoir fait peur comme ça, Julien. Je me sens mieux maintenant, même si je suis toujours un peu fatigué. Je crois que j'ai encore un peu besoin de me reposer. Bonne nuit. Bonjour, je me sens à nouveau en pleine forme. Allez. Ok. Rien ici. Ah, une boutique. Alors, qu'est-ce qu'ils vendent de ce coup-ci? Je suis prêt à mettre le prix. Ouais. Non, non plus. Les griffes de feu. Oh. Oh oh. Allez. On va up Smilo. D'une manière assez énorme. Parce que vous l'avez vu, le rapport de puissance, je pense. Alors, la cuirasse d'argent, le bustier lacé, on l'a déjà. Ouais, d'accord. La cuirasse sanglante. Le pyromanteau, non merci. Bouclier magique. Le masque de fer, ah! Ah ah, le masque de fer, oui, c'est bien ça. Allez. On vend évidemment ce qu'on n'a plus besoin. Ah ouais, on avait quand même un home assez pourri. Hein. Heureusement qu'on change. Est-ce qu'il me reste assez pour une épée de rêve? Ah non, même pas. Même pas, même pas. Bon, c'est pas grave. On a quand même une bonne puissance. Le roi de Gotha s'appelait Petros. C'était un homme incroyable. Je me souviens qu'il était venu dans notre village peu après avoir été sacré roi. Il était allé sur le pont et avait regardé le château de Gotha au loin. C'était une très belle image. Ok. C'est. Perdre une boussole de Te Carlo. Je ne sais plus quoi faire de lui. Rien ici. Miaou. Une fiole de jus de peps. Ok. Et donc, bon bah voilà. C'est à peu près tout pour la découverte de cette ville. La reine Magdalena de Gotha avait une sorte de pouvoir qui lui permettait de communiquer avec Nadira, le monde souterrain. Je ne sais pas exactement comment elle faisait, mais je me souviens qu'elle avait un regard étrange. Quand elle vous regardait droit dans les yeux, c'était comme si votre corps et votre esprit étaient immédiatement détendus. C'est bizarre, j'ai un peu la même impression avec vous. C'est vrai, comment ça se fait? Je me sens toujours paisible et détendu quand tu me regardes, Julien. Le prénom exact de ta mère était Magdalena, n'est-ce pas?
Ça m'étonnerait qu'il ne s'agisse que d'une coïncidence. Ben oui, voilà. On a été spoil avant d'arriver à Gotha. Génial, merci le jeu. J'aurais mieux fait de pas parler au PNJ. Bon, soit. On va sauvegarder une dernière fois pour cet épisode, car oui, je vais vous laisser là. J'espère que l'épisode en question vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à pousser, à partager. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles prochaines vidéos. Et en attendant, ciao ciao les minous, portez-vous bien.